Chacun connaît, chacun utilise tous les jours un euro, un dollar ou une quelconque devise dite légale, dite officielle, dite souveraine. Dans le même temps, il a été, à travers l'histoire, des moments où il fallait inventer autre chose, car la monnaie disparaissait. C'était le cas, par exemple, en Suisse et en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est créé à ce moment-là, le vire en Suisse, il existe toujours. Il existe aussi des circonstances dans lesquelles on cherche à obtenir une monnaie plus efficace. C'est le cas des monnaies électroniques, de ces monnaies sur Internet, telles le Bitcoin, donc, qui défraient beaucoup la chronique, et qui essayent de transférer des sommes, des valeurs, de façon plus efficace, moins coûteuse, à travers le monde. C'est l'ensemble de ces systèmes, systèmes d'échange locaux, système numérique, que nous essayons de décrire dans la vie à travers cette dénomination générale de monnaie complémentaire. Alors disons-le clairement, en l'état aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Le Bitcoin est un instrument de placement financier à caractère fortement spéculatif. Le Bitcoin, il n'en sera fabriqué, si je puis dire, qu'un nombre déterminé à l'avance. Le Bitcoin, donc à ce titre, est une monnaie déflationniste et nous ne pouvons soutenir une innovation de cette nature. Par contre, ce qu'il y a derrière le Bitcoin, c'est sans doute la capacité mathématique, technologique, d'une innovation intéressante, comment transmettre dans des bonnes conditions de sécurité cryptographique, comment transmettre de la monnaie de par le monde. Cela intéresse des continents comme l'Afrique qui ont besoin de micro-paiements qui aujourd'hui sont très coûteux par les systèmes habituels. Donc le Bitcoin, non, nous ne le soutenons pas dans la vie. Les technologies qui sont derrière le Bitcoin, oui, ne refusons pas le progrès technique. Un système d'échange local, c'est le besoin pour une communauté, en général liée par la géographie ou bien liée par la langue, l'ESCO par exemple au Pays Basque. C'est la volonté d'avoir une monnaie, je dirais, à eux. Une monnaie qui leur soit propre, une monnaie qui permette d'échanger du temps, une heure de tel service contre une heure de tel autre, une monnaie qui permette de s'affranchir de la contrainte de la monnaie générale. Alors pourquoi ne pas y aller ? Quelques réserves toutefois. Il faut que ceci ne se situe pas en marge de la monnaie officielle et il faut que ces systèmes d'échange locaux puissent apporter la sécurité à ceux qui vont participer. Cela s'appelle la garantie par exemple et la capacité de changer leur monnaie dans la monnaie du pays, la monnaie légale cette fois-ci. Et puis il faut aussi que ces systèmes ne s'affranchissent pas de l'indispensable participation à la fiscalité et à l'ensemble du dispositif social de l'endroit. Ça s'appelle payer ses impôts et payer ses charges sociales. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces monnaies complémentaires, qu'elles soient à caractère social local, qu'elles soient à caractère technologique sur Internet, ne devront jamais oublier un certain nombre de grands principes. Elles doivent être universelles, donc permettre tout à la fois d'échanger, mais aussi de stocker. Il faut penser au paiement que l'on fera plus tard. Elles doivent permettre de lever le crédit, ce qui est, chacun le sait, la condition du développement d'une économie. Elles doivent être absolument transparentes. L'anonymat ne saurait être de mise sous quelque raison que ce soit. Et elles doivent inspirer la confiance, ce qui veut dire que au bout de l'ensemble de ces systèmes, on devra trouver une indispensable gouvernance qui rappelle ces principes.